Devant vous se trouve une carte de sécurité. Veuillez la consulter avant notre départ. On est contente. Il y a deux issues de secours à l'arrière, quatre au milieu et deux à l'avant de la calife. Votre tablette doit être relevée. Vos accoudoirs baissés. C'est quand même joli, Genève. Waouh, comme c'est beau. Oh merde, elle fait le terrain. Nous sommes arrivés dans notre hôtel. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on est dedans, allez, une salle de bain avec une douche ou là. et puis, si jamais en fait, les toilettes y sont. Là-bas. Je vais pleurer. Donc, mis à part ça, la terrasse est super cute. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de toilettes privées pour avoir du fun. Et vous allez le voir avec toutes les vidéos qui vont suivre. Elle n'arrivera pas à faire caca pendant une semaine si jamais. Alors quand je serai fabulous et puis famous sur YouTube, peut-être que grâce à vous, je viendrai dans cet hôtel-là. Enfin, dans cet endroit-là. Voilà. Mais sinon, c'est très beau. Donc, on vient de découvrir qu'il y avait le Nice Jazz Festival. Et on a vu que demain soir, il y a Barrav Stellar. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va. Alors, premier repas à Nice, au Temple Bar, avec des moules. Vous aimez ça? Parce que nous, oui. Alors, jour 10h du matin. 10h du matin, 40 on est déjà degrés. 40 degrés, c'est possible. Regardez comme c'est beau. Alors, quelque chose qui manque en Suisse sont les happy hours. Bonjour au monsieur derrière. Dites bonjour. Et les Virgin Mojitos sont succulents. Si vous prenez le volant, toujours aller du côté sud avec un Virgin Mojito. Et de la tapenade. Il y a un peu d'highlight sur ma gueule, mais il y a beaucoup de transpi si jamais. Donc c'était pas une blague, on est vraiment au festival Nice Jazz Festival. C'est vraiment très joli. Les verres comparés à Festineuge, ici on a le droit à des bières de 50 centilitres. Donc voilà. C'est alcoolique. C'était chouette, Barrav Stellar, on a aimé, super, Nice Jazz Festival. Mais Sarah, elle vient de me dire un truc là. Oh my god, dans 42 ans, on a la retraite. Donc, on a essayé d'aller au port ce soir, mais il n'y a jamais eu de bus, donc tant pis. Mais c'est super beau. Et puis, Sarah, aujourd'hui, elle est super jolie, toute bien habillée, et regardez ses pieds. J'ai oublié de mettre mes baskets. Oups. Alors on a commandé un pichet de vin rouge. Et en fait on a chacune eu un petit vase de vin rouge qu'on doit boire à la... Je rigole. On a quand même eu des verres. Alors le serveur est venu nous demander comment était le colonel. Je lui ai dit Rayel. Non. Et si elle rigole, vous devez rire. Il a demandé si on voulait un peu plus de vodka. J'ai fait non. Parce qu'il faut boire avec modération. Attention, un petit colonel, ce sera fini pour la soirée. Sarah, elle voulait un peu plus de glace. Bon,
Alors les gars, je vous ai pas dit, mais en fait avec Sarah on vient de s'acheter un bateau. Et puis maintenant on va arrêter avec la vie qui nous entoure et toutes nos responsabilités, puis on va se casser avec ça. Alors, petite potion magique. Elle est énorme, je sais pas si j'arriverai à mettre tout ça dans la bouche. On voit. Donc nous sommes dans un style de centre commercial ouvert et c'est super joli. Hein. Il y a plein de petits magasins comme ça là et puis tu marches et tout. C'est super cute et bien sûr il y a Primark. Ah. Hey. Ciao. Et là je fais tout tomber. Ouais, oh elles sont trop cute les frites. Donc on a eu une petite envie d'aller se baigner à, je sais pas, il doit être 8h. Regardez-moi ce paysage, c'est magique avec la lune et tout, c'est splendide. Et puis maintenant, on passe à des choses un peu plus intéressantes. Donc nous attendons notre petit Uber. C'est quoi aujourd'hui? Une Mercedes-Benz classe C pour aller à l'aéroport. T'as chopé de ses coups de soleil.